Vous, vous, gens de par ici, vous croyez qu'il y a des morts bien faits pour eux, des morts, alléluia. C'est de l'idolâtrie et de la barbarie. C'est kiff-kiff bourricot, enfant de la patrie. Les maquisards sont morts, ils n'avaient pas l'âge. Ils ont été vendus par l'idiot du village qui voulait les aider. Je n'y veux plus penser. Comme si l'avenir pouvait recommencer. Il serait bientôt temps de parler d'espérance. Pas de discutailler du seuil de tolérance, mais de penser planète. Un seul peuple amical. L'Europe, ce n'est qu'un syndicat patronal. Il est temps de fonder ce sentiment superbe que nous sommes la terre et que nous sommes l'herbe. L'âne, le paysan, le caillou, le chien. Que nous sommes les uns pour les autres le bien commun. Qu'il faut penser d'une seule pensée, l'homme comme un ami de l'homme. Et qu'insensé sera l'indifférence. Organisons le bal. Un porto, un picot, un belge et un rital, un juif, un chiltoc, un nègre, une grenouille. Mettons-nous tous autour de la même tambouille et rions de plaisir, ce sera le repas où Judas et Cain, ceux qu'on n'attendait pas, seront bien accueillis, portés sur nos épaules pour avoir accepté les rôles les moins drôles. Je parle tout seul. Je fais le gros dos. Repose bruit des mots. Langage fait de dos. Car le chant des oiseaux libère des messages. Tandis que moi, je parle aux cailloux de passage. Et n'est pas le succès que j'avais espéré. Je suis cousin de Job, à moi-même fumier. Le chant des oiseaux libère des messages. Libère des machines.